Bonsoir, 18e rencontre Je viens de loin, j'écris en français, donc organisée par l'Alliance française de Paris, en partenariat avec l'Institut français du Maroc, le comité d'entreprise de la RATP, et avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises. Franck Desroches, le directeur de l'Alliance française de Paris, et Flore Bénard, la responsable culturelle, m'ont prié de remercier Catherine Philippone, Jean-Pierre Maouet et moi, Messierti, de l'IF du Maroc, et Patricia Guérin pour le comité d'entreprise de la RATP. Deux renseignements pratiques qui vous concernent, chers auditeurs. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire sur la plateforme. À ce moment-là, les questions seront retransmises en direct de Rabat par Jeanne Bourgrin, qui est journaliste et qui fera ce travail d'intermédiaire. Petit détail pratique aussi, vous avez sur votre écran une petite clochette, vous pouvez la désactiver, cela vous évitera des bruits et des alertes intempestives. 18e rencontre et 22 écrivains reçus à ce jour, nous avons été successivement de l'Argentine à la Biélorussie, de la Pologne à l'Afghanistan, en passant par le Japon, la Syrie, plus récemment le Cameroun, l'Inde, le Vietnam, l'Algérie. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, c'est tous ces écrivains sur les photos, aujourd'hui avec nous trois écrivains du Maroc, et vous êtes quelques 1600 auditeurs, spectateurs inscrits, et vous représentez quelques 75 pays. Voilà, alors je vais présenter très rapidement mes trois invités. Je vais commencer par Leïla Slimani, qui est à mes côtés, qui est née à Rabat en 1981, qui est venue à Paris en 1999. Très rapidement, s'est inscrit dans le paysage littéraire français avec son premier livre publié ici, Dans le jardin de l'ordre, c'était en 2014, suivi en 2016 par Chanson douce, prix Goncourt la même année. Leïla est également l'auteur en 2016 de Sexe, mensonge, la vie sexuelle au Maroc. Son actualité récente, ce sont trois titres. Une bande dessinée à main nue qui est consacrée à une personnalité pionnière dans la chirurgie réparatrice, Suzanne Noël. Elle est l'auteur aussi d'un journal d'une nuit dans un musée, nous en parlerons, Le parfum des fleurs la nuit, et enfin d'un roman, Le pays des autres. J'ajoute qu'elle est aussi représentante pour le président de la République, Emmanuel Macron, pour la francophonie. À ma droite, Rachid Benzine, vous êtes né à Kénitra en 71, vous êtes venu très tôt, très jeune, à Trappes, à 7 ans. Vous avez une formation de sociologie, de sciences politiques, vous êtes beaucoup intéressé, vous avez beaucoup écrit sur les religions, sur l'islam en particulier, et sur le dialogue entre les religions. Vous avez écrit deux livres avec le prêtre Christian Delorme, dont nous avons tant de choses à nous dire. Vous avez écrit également avec Delphine Horviller, femme rabbin, des mille et une façons d'être juif et musulman, et votre actualité est marquée par la fiction, cette fois, vous avez écrit pour le théâtre, Lettres à Nour, et enfin deux romans, Ainsi parlait ma mère et Dans les yeux du ciel. Enfin, et qui est en direct avec nous, mais du Maroc, cette fois de Rabat, Zainab Fassiki, qui est née, elle, à Fès, en 1994, qui est ingénieure de formation en mécanique électronique, et qui s'est intéressée, qui a choisi la bande dessinée, le dessin pour s'exprimer. Elle a publié « Homor, des choses » en 2017, et « Anchouma, corps et sexualité au Maroc » en 2019. Vous participez au collectif de BD Skefkef, vous êtes également participante du collectif Women Power. Peut-être ma première question pour faire connaissance, faire un premier, j'ose pas dire tour de table, je vais commencer par Leïla, votre venue à la littérature. Alors, il est presque évident chez vous parce que les livres étaient à la maison, parce que la littérature était présente dans vos études, en tous les cas au début. L'écriture, c'est autre chose, c'est venu très tôt, très jeune, plus tard. Qu'est-ce qui vous a donné le goût, l'envie, non plus de lire, mais d'écrire? Ah, c'est venu très tôt parce que j'ai eu très rapidement un rapport à la littérature qui était passionnel, qui était presque, j'allais dire, monstrueux. Quand je lisais des livres enfant, je perdais complètement pied avec la réalité. En fait, la réalité ne m'intéressait plus du tout. Je me mettais à lire et la seule chose que je voulais, c'était vivre à l'intérieur de ce roman avec ces personnages. Je trouvais la vie, la vraie vie, très fade, très répétitive.
très inintéressante, alors que je trouvais que le monde de Madame Bovary, d'Anna Karenine, de Raskolnikov était beaucoup plus intéressant. Donc, je crois qu'au fond, je me suis mis à lire parce que je voulais vivre avec eux, je voulais vivre avec des personnages, et parce que je trouve que les personnages sont beaucoup plus vivants que les vrais gens. Ça vient à quel moment ? Ben, ça vient au moment où voilà, je suis tellement habitée par tout cet imaginaire que, comme beaucoup de lecteurs compulsifs, on finit par avoir cette espèce de folie, de petit orgueil qui consiste à se dire « bon, ben, j'ai envie maintenant de me mettre avec eux sur cette étagère, j'ai envie d'exister à côté de tous ces auteurs que j'ai aimés. » La littérature, c'est un dialogue, ça l'a toujours été. Petite fille, adolescente, un peu plus tard, à quel moment ? Petite fille, hein, vraiment petite, vraiment vers 8-9 ans, j'ai commencé déjà à avoir ce rapport à la littérature et j'ai toujours pensé que la littérature, c'était un dialogue. Je pense que le premier homme qui a écrit un livre, il y a un long dialogue comme ça qui s'est institué entre les lecteurs et les écrivains. Et donc, au fond, je voulais simplement ajouter ma petite pierre à cet édifice extraordinaire, même si j'ai vraiment une conscience tout à fait aiguë de n'être qu'une toute petite goutte dans un océan dans lequel il y a des monstres sacrés que j'admire et que je révère. Il y a une autre raison que vous évoquez dans votre livre. Vous dites « ce qui est arrivé à mon père ». Qui a été emprisonné, a été fondateur dans mon désir de devenir écrivain. Ça aussi, c'est quelque chose qui est un déclic fondateur, oui. Oui, c'est un déclic fondateur, difficile à expliquer, mais qui, moi, m'apparaît comme une évidence, parce que l'écriture m'a offert la possibilité d'une forme de réparation, d'une forme aussi de reconquête de la dignité. Quand vous écrivez, surtout, je crois, quand vous écrivez de la fiction, donc vous créez des personnages, vous essayez de recréer de l'humanité, de la vie, de recréer des âmes, vous avez vraiment le sentiment de tenir au bout de vos doigts la dignité d'un être et de devoir en prendre soin, de devoir lui rendre justice, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit une personne bonne ou une personne mauvaise, ça n'a pas vraiment d'importance parce que vous n'êtes pas là pour le juger. Donc la possibilité de vivre comme ça dans un lieu où on se défait des jugements qui sont les jugements de la vie quotidienne et les jugements dont mon père est mort et dont nous avons beaucoup, beaucoup souffert, c'était vraiment, effectivement, je pense que l'expérience de mon père en ça a été fondatrice. En tout cas, je pense que j'aurais écrit, mais j'aurais sans doute pas écrit de la même manière et pas avec la même rage et pas avec la même liberté, sans doute. Zaina, pour vous, le goût du dessin, l'envie de dessiner, ça vient d'où ? Très jeune, là aussi, petite fille, vous dessiniez déjà, vous étiez celle qui est bonne en dessin, celle qui caricature les copines et les copains. Ça vient d'où le dessin ? Et vous ? Merci pour la question. Bonsoir tout le monde. C'est un peu l'autrice avec vous, avec les auteurs avec qui j'ai grandi en train de lire vos livres. Alors, pour moi, le dessin, je l'ai commencé depuis que je suis enfant. Et, alors, tout était tranquille durant mon enfance. Mais une fois la puberté, là où c'était la transition d'enfant à une adolescente, on se dit l'arrivée des hormones, c'est le début de la révolution chez les jeunes filles. Et surtout, c'est là où j'ai commencé à vivre le sexisme, que ce soit au collège, dans la rue et avec la famille, le contrôle aussi. Et pour moi, le dessin, c'était, je me rappelle très très bien, depuis 2013, quand j'avais 19 ans, c'est la première fois où je me suis dessinée toute nue parce que j'étais fatiguée à l'université durant le stage dans le domaine de mécanique, là où le patriarcat règne surtout, et le harcèlement dans la rue, comme j'ai dit, avec la famille aussi. Et donc, le dessin pour moi était une thérapie pour guérir mon âme de patriarcat. Et aussi, c'était un outil de révolution pour les autres femmes. Et surtout, publier les dessins sur les réseaux sociaux, c'était pour moi une réponse pour ce contrôle. Et voilà, à partir de 2013, c'est devenu mon style, ma signature de dessiner le corps et d'expliquer au public qu'il faut séparer quand même le corps de tout ce qui est sexuel.
Les essais que vous avez écrits, c'est en quelque sorte un prolongement quasi naturel de votre travail d'enseignant. Ça fait partie intégrante de la vie d'un chercheur, d'un enseignant. La fiction, c'est autre chose. Et elle est venue un petit peu, non pas sur le tard, mais plus tard que les essais. Pourquoi tout d'un coup cette volonté d'aller vers le roman, vers la fiction ? Tout d'abord, lorsque j'essaie de voir le parcours que j'ai eu, j'étais beaucoup plus intéressé par l'abstraction de la pensée. Donc, la pensée abstraite m'intéressait énormément, même si j'opérais sur le terrain. Et lorsque j'ai travaillé justement en 2015 sur un travail universitaire, parce que j'ai étudié l'idéologie de Daesh dans les prisons, j'ai écrit un certain nombre d'articles sur cette idéologie, pourquoi elle arrivait à séduire des jeunes qui viennent du monde entier. Et après les événements du Bataclan, le 13 novembre 2015, je me suis dit qu'il fallait trouver une autre forme pour parler de ces événements-là, pour tenter de faire lien dans la société, parce que je voyais qu'il y avait une polarisation qui était de plus en plus grande, et il y avait beaucoup de malentendus de part et d'autre, parce qu'il y avait justement un choc des imaginaires, un choc de représentation, une inculture, pour essayer d'analyser un phénomène qui était déjà assez complexe. Et par rapport à cet événement, notamment les attentats, selon qu'on en prenait par la science politique, ou la sociologie, ou la psychologie, ou le discours religieux, on avait parfois tendance, dans le débat public, à être dans une lecture exclusiviste. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, on ne peut pas y entrer uniquement à travers l'islamologie, une pratique que je fais depuis très longtemps. Il m'est venu très vite de trouver une espèce de nouvelle forme. Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais du théâtre, donc à trappe, improvisation théâtrale. Et je me suis dit, et si j'essayais de retrouver quelque chose que moi j'aimais dans le théâtre, dans la question du corps, et est venue vraiment cette idée d'un échange épistolaire, parce que je voulais pas me lancer au roman, parce que je ne maîtrise absolument pas du tout cette forme, et je dois vous avouer que j'ai lu très très peu de romans dans ma jeunesse, simplement les romans qu'on me demandait de lire. J'étais beaucoup plus intéressé par la théologie, par l'exégèse, par l'histoire, par la philosophie, c'était plutôt ça qui m'intéressait. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver cette forme que moi j'appelle une forme du sensible au service du sens, c'est-à-dire que le langage de la littérature est un langage qui permet de dire le monde, de suspendre un peu les références du quotidien et de proposer un monde comme des textes religieux, qui sont des grands textes littéraires et qu'on peut analyser comme de la littérature. Et je me suis dit, c'est un récit, et je me suis dit, je me retrouve. Et depuis que j'ai goûté, c'est bon, et je continue comme je peux. Alors, vous avez tous les trois, le Maroc en partage, vous y êtes né, mais votre positionnement, alors géographique d'une part, mais littéraire aussi, est différent. Les auteurs qu'on a pu recevoir, par exemple les 22 qu'on a vu présenter tout à l'heure, venaient de loin et tous, pratiquement, dès leurs premiers écrits, faisaient référence, inscrivaient leurs livres dans le pays qu'ils avaient quitté ou que leurs parents avaient quitté. Ce n'est pas votre cas. Votre premier livre publié ici, dans le Jardin de l'Ogre, parle d'une addiction sexuelle chez une jeune femme. Chanson douce, c'est l'histoire d'un infanticide, de cette nounou. C'est aussi les relations employeur-employée, la dépendance, les classes sociales. À main nue, je l'ai dit tout à l'heure, on est avec Suzanne Noël et cette femme géorgienne. Vous avez écrit aussi un livre sur à propos de Simone Veil. Tout ça un peu éloigné du Maroc. Alors, vous ne niez pas le lien avec le Maroc, bien sûr, mais vous n'éprouviez pas le besoin de le préciser en littérature. Est-ce que c'est pour ne pas vous inscrire dans... Vous vouliez être écrivain sans adjectif, sans aucune épithète, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie qu'on vous dise écrivain marocain, écrivain franco-marocain, écrivain venu de... C'est un petit peu pour toutes ces raisons, ou pour d'autres? Je crois que c'est pour aucune raison particulière, c'est simplement que ce sont ces romans-là qui se sont imposés à moi à ce moment-là. C'est que la personne que j'étais en 2013, elle avait envie d'écrire sur un personnage qui s'appelait Adèle et qui vivait à Paris. Moi, je vivais sur les grands boulevards vers Clichy. C'était le paysage que j'avais devant les yeux tous les jours, des cinémas pornographiques, des prostituées. J'étais fascinée par ce monde qui était en bas de chez moi. Et je crois, comme beaucoup d'écrivains, on écrit très souvent sur ce qui se passe en bas de chez soi. Et je ne porte pas tout le temps avec moi mon histoire, mon exil. J'ai jamais eu, d'ailleurs, avant Le Parfum des Fleurs la Nuit, j'ai jamais eu
envie de parler de moi. Ce que je suis ne m'intéresse pas vraiment, ou ne m'intéresse que pour raconter mon rapport à la littérature. Donc, moi, je voulais raconter la vie de mes voisins, je voulais raconter voilà, la vie des gens en bas de chez moi. Puis après, voilà, il y a eu Le Pays des Autres, qui est ma première incursion au Maroc, mais un Maroc qui à la fois est vrai et en même temps n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est un Maroc qui est déjà le Maroc que j'ai inventé dans ma tête. Mais moi, je ne sais pas si je viens de loin. Parce que venir de loin, il faut dire par rapport à où. Je ne sais pas où je suis arrivée. Donc, la question, c'est est-ce que je viens de loin ? J'en sais rien. Je ne crois pas que je vienne de loin. Je crois que je suis là où je suis. Et puis, c'est tout. Et puis, je me sens, au fond, maintenant, tout aussi française que marocaine. Donc, il y a des moments où c'est une partie de mon histoire que j'ai envie de raconter. Et à d'autres moments, c'est une autre part. On a une lecture de loin qui est assez large ici. On a reçu quelqu'un qui était né à quelques rues d'ici. Vous voyez, donc, ça va, ça marche. Zeynab, vous, en revanche, vous le dites dans votre livre, vous écrivez textuellement « Je suis une femme marocaine », plusieurs fois dans le livre, ça revient. Vous écrivez une volonté d'écrire, de dessiner en tant que femme et en tant que femme marocaine. Oui. Alors, comme ma philosophe féministe préférée, Simone de Beauvoir, a dit, on n'est pas femme, on le devient. Et moi, je dis que être femme au Maroc, c'est déjà une forme de révolution, c'est un pouvoir en soi-même. Et donc, les choses, ça reste un choix, ça reste. Les gens sont libres de choisir leurs croyances, mais quand c'est un pouvoir politique, c'est là où ça commence la culture de Chouma. Qui se dessine nu, qui s'exprime librement, qui assume sa liberté sexuelle, sa liberté artistique et intellectuelle. C'est encore difficile à affirmer ici, et c'est aussi pour moi une invitation à toutes les Marocaines de faire la même chose, parce que c'est dommage que je reçois chaque jour je reçois des messages des jeunes Marocaines qui disent ils veulent, par exemple, juste un simple exemple, c'est de faire la danse ou faire ou chanter ou n'importe quelle activité artistique, c'est encore chouma. Et du coup, le métier d'être aussi femme artiste, plutôt moi je dis que je ne suis pas artiste, mais je suis activiste. C'est un néologisme, c'est le mélange d'être artiste et activiste à la fois. Et donc, un activiste comme moi, il a la responsabilité d'illustrer les multiples réalités de la société et offrir ces illustrations aux spectateurs, aux lecteurs, aux internautes, à la société, pour qu'elle soit consciente des problèmes qui existent dans son environnement. Rachid, vos romans, vos personnages portent les prénoms de Nour, Selma, Slimane, bien d'autres. Mais dans votre roman « Dans les yeux du ciel », vous ne précisez pas le lieu géographique. Pourquoi ce non-choix ? Parce que tout simplement, en tout cas, il se situe au moment des révolutions arabes, dans un espace maghrébin arabe où, finalement, anthropologiquement, culturellement, ces sociétés connaissent à la fois les mêmes obstacles et les mêmes élans à l'aspiration à cette idée de la liberté ou de la libération par rapport à une norme religieuse ou à une norme politique qui devient de plus en plus important, que pour moi c'était important de mettre ce cri-là, et que peu importe, je dirais d'abord c'est sur la question de la révolte, c'est sur la question de la révolution, sur cette question de liberté et de l'espoir. Ce texte-là aurait pu se passer dans un autre pays asiatique au moment, je dirais, des révolutions, que finalement ce qui se passe autour des révolutions, à la fois ceux qui provoquent les révolutions et ceux qui viennent au pouvoir au niveau des révolutions, j'ai l'impression que c'est une espèce de constance qu'on retrouve à travers le monde. Leïla, on disait tout à l'heure, vous êtes dans la deuxième partie de votre œuvre. On peut dire que cette fois, le Maroc est là, est très, très présent avec le pays des autres. Et vous-même, vous êtes aussi très présente avec le parfum des fleurs la nuit, puisqu'il s'agit du
sorte de journal d'enfermement, mais d'enfermement très volontaire, puisque vous avez été invité à passer une nuit dans le musée de la Pointe de la Douane à Venise. Il y a pire comme prison. Hein. C'est un livre très personnel, très intime, et là vous dites « je ». Comment vous expliquez tout d'un coup ce besoin de dire « je » dans ce livre et de parler cette fois du Maroc, de la famille, dans le pays des autres? Pour ce qui est du Maroc, ce livre, finalement, il existe en moi depuis très très longtemps. J'ai toujours su que j'écrirais ce livre sur l'histoire de mes grands-parents. D'abord parce que quand j'étais enfant, mes grands-parents, je les voyais comme des personnages. Ils me paraissaient fascinants. Mon grand-père, il avait fait la guerre. Alors pour une petite fille, déjà, quand votre grand-père vous raconte, hein, moi j'ai fait la guerre, et je me suis battue, moi, je trouvais ça incroyable. Et puis il avait libéré le village où était... Ma grand-mère parlait très très bien l'arabe, très bien le berbère, mais avait un très très fort accent alsacien jusqu'à la fin de sa vie. Et puis ouais, elle était beaucoup plus... Il faut préciser que la guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, ouais. Et ma grand-mère était beaucoup plus grande que mon grand-père. Donc c'était vraiment un couple très fascinant. Donc quand ils me racontaient leurs histoires, d'abord ils mentaient beaucoup, parce qu'ils racontaient beaucoup de trucs qui n'étaient pas du tout vrais. Et une fois que j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que j'avais quand même des grands-parents qui étaient des menteurs pathologiques. Mes parents étaient des énormes menteurs aussi. Donc, mes parents et mes grands-parents m'ont toujours dit qu'en fait, la vie en soi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et que si on veut passer des dîners sympas, c'est pas grave de mentir un peu et d'en rajouter dans les récits de voyage, dans qui on a rencontré, dans ce qu'on a fait, que c'est important de rajouter un peu. Mes grands-parents, je me suis toujours dit, il faudra que je raconte cette histoire, mais pas pour raconter la vérité, mais pour raconter la vie telle qu'ils l'avaient imaginée. Et pour raconter ce destin incroyable de personnes qui ont vécu comme ça. Avant, je n'osais pas écrire sur le Maroc, d'abord parce que c'est un pays que j'aime tellement, mais que j'aime d'une manière aussi tellement complexe, que je ne me sentais pas aimée par ce pays, je ne me sentais pas comprise, je me sentais rejetée. Et je me disais, si je commence à y toucher, pour autre chose que pour des activités militantes, où je sais exactement où je vais, j'avais trop trop peur qu'on me rejette encore plus, qu'on ne comprenne pas mon imaginaire, qu'on ne comprenne pas ma façon de parler de ce pays. Et il m'a fallu 20 ans pour en avoir, c'est pas rien à faire, mais pour accepter l'idée qu'on puisse ne pas me comprendre. Moi, ma mère un jour m'a dit « Tu aimes trop le Maroc, tu es amoureuse du Maroc, mais il ne t'aimera jamais comme tu l'aimes. » C'est comme un homme dont on est amoureux qui vous aimera jamais. Donc, je sais que le Maroc ne m'aimera jamais comme moi. Il y a un problème de légitimité aussi, le fait que vous soyez partie, c'était quelque chose... Non, depuis toujours, je suis trop française, je suis trop francophone, je suis trop bourgeoise, je suis pas assez religieuse, je suis pas assez traditionnelle, je suis pas assez... j'ai jamais eu une grande famille, je connais pas les rites, j'ai toujours vécu dans une bulle comme ça, et donc les gens toujours me regardaient en me disant « tu n'appartiens pas, tu ne fais pas partie de nous ». Et moi, je ne rêvais que d'une chose, c'était de faire partie du groupe, mais le groupe ne voulait pas de moi. Dans vos premiers livres, vous étiez la romancière qui fait ce qu'elle veut avec ses personnages, ils vont là où vous voulez bien les mener. Là, bon, certes, ce sont vos grands-parents, ce sont, bon, d'accord, des menteurs, donc vous pouvez mentir à votre tour, mais... Comme vous êtes dans un fond historique, j'imagine que ça vous a valu des recherches, de la documentation pour étayer le récit. Oui, mais c'était pour moi justement une des choses qui m'a motivée à l'écrire, c'est que j'avais aussi envie moi de comprendre cette période, de la découvrir et de la comprendre comme un romancier comprend l'histoire. Le romancier, son but, c'est pas de comprendre les grandes logiques abstraites justement et théoriques historiques, c'est de restituer les tout petits détails. Savoir comment à l'époque les gens mangeaient, comment ils se déplaçaient, comment on s'habillait, comment on pensait, qu'est-ce qui passait au cinéma, toutes ces choses vraiment très prosaïques de la vie quotidienne qui permettent de créer un fond historique dans un roman. Puis ma mère n'a jamais vraiment beaucoup parlé de son enfance, mais l'image que j'en avais, c'était quand même l'image d'une petite fille dont la mère était française, dont le père était, comme on disait à l'époque, un arabe, un indigène, un bico, un raton. Et ma mère, c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup souffert du racisme et surtout d'avoir été spectatrice de l'humiliation dont son père était victime, parce que son père, on le tutoyait tout le temps. Ses petites copines ne voulaient pas venir fêter l'anniversaire chez eux parce qu'elle avait un père qui était un arabe. Donc, je voulais essayer de comprendre à quoi ça pouvait ressembler
l'enfance de ma mère. Le titre est venu tout de suite, le pays des autres, parce qu'il y a beaucoup, dans votre livre, il y a beaucoup de pays et beaucoup d'autres, finalement. Il y a certes cette femme alsacienne qui vit au Maroc, mais l'homme marocain est lui-même allé combattre en France, et puis les hommes, les femmes, les classes sociales, les paysans, les non-paysans. Le titre, il est venu tout de suite. C'est un grand conflit entre mon mari et moi, parce que mon mari prétend que c'est lui qui l'a trouvé, alors que moi je dis que c'est moi qui l'ai trouvé. Ce qui s'est fait au cours d'une conversation pendant un dîner et tout. Donc voilà, je n'en arriverai jamais à résoudre ce truc. Je ne sais pas qui a trouvé le titre, mais voilà, il dit que c'est lui. Bon, vous le faites. Voilà. Rachid, alors vous, dans vos trois livres que je citais tout à l'heure, dans la pièce de théâtre Lettre à nous, il s'agit de dialogue entre un père et sa fille. Sa fille est partie rejoindre son mari et Daesh. Dans Le bleu du ciel, cette fois, il s'agit d'une femme prostituée qui va rencontrer tout un tas de gens dans cette période conflictuelle dont vous avez parlé. Et dans Ainsi parlait ma mère, il s'agit d'un dialogue, là aussi, mais de dialogue vécu, entre une mère mourante et un fils qui est un intellectuel, alors que sa mère est analphabète. Pourquoi ce choix des femmes qui détermine votre intrigue? Parce que je crois que mais ça vient certainement peut-être du dialogue interreligieux que j'ai eu, soit avec le père Christian Delarme, soit avec la rabbin Delphine Horviller, cette idée de l'altérité. Et la question de l'altérité, pour moi, c'est ce qui constitue, en tout cas, à la fois le dialogue et la transmission que j'essaye de faire en tant qu'enseignant-chercheur, mais que cette idée que pour essayer de comprendre l'autre, il faut essayer finalement d'essayer de comprendre son propre système ou son propre langage. Par exemple, quand j'ai essayé de comprendre le christianisme, j'ai pas essayé de regarder le christianisme à travers le prisme de ce que dit le Coran et la tradition islamique. À un moment, il faut suspendre ça, faire une épopée, comme on appelle ça en phénoménologie, et essayer de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne. Parce que tout fait système, c'est un langage. La même chose sur le judaïsme. Et à partir du moment où je veux traiter la question de la marge et la question du silence, moi, je suis très préoccupé par la question du silence. C'est-à-dire que, finalement, ainsi parlait ma mère, ce sont ces femmes invisibles qui, dans les pays d'origine, avaient la capacité de parler, donc la parole était leur royaume, et là, elles viennent et elles finissent par se taire parce qu'elles ne maîtrisent pas la langue. Dans les yeux du ciel, c'est Nour qui est une femme prostituée, qui est à la marge, et la marge, on n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie de la voir, et d'un seul coup, la marge dit quelque chose du centre, nous révèle quelque chose du centre. Le corps de Nour et la révélation est une métaphore du monde arabe, un monde arabe qui à la fois, on en a abusé et on continue de gérer de le faire. Et donc, et la même chose sur l'être à Nour. L'être à Nour, c'était sur ce principe, on disait que les djihadistes étaient finalement des monstres et on s'empêchait de comprendre ce qu'ils étaient en train de nous dire. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est le processus de réhumanisation. Comment la littérature va humaniser là où il y a de la déshumanisation de l'autre. Et donc, quand j'ai passé un an et demi dans les prisons à entendre les djihadistes, j'ai vu le discours qui pouvait séduire. Et donc, j'essayais simplement de faire entendre ce discours. Et l'être à Nour, c'est d'abord une histoire d'amour entre un père et sa fille. Un père qui a aimé sa fille, qui l'a élevée, puisqu'il s'est retrouvé en deuil très rapidement, il lui a donné les meilleurs rudiments de la critique, c'est un philosophe, et voilà que cette fille part rejoindre son mari en Irak, et de là-bas elle lui écrit, et donc on a les arguments des uns et des autres, et que être capable d'écouter même ce qui nous dérange, c'est quelque chose que, pour moi, en tout cas le processus d'humanisation passe d'abord par cette question de un peu d'interroger ses certitudes, c'est pour ça qu'à un moment il lui dit que le contraire de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais les certitudes, et d'être capable d'accueillir cette altérité, parce que cette altérité, elle est en nous. J'ai envie de citer le livre de Paul Ricoeur qui s'appelle « Soi-même comme un autre », c'est-à-dire à la fois de se découvrir soi et pas je, voyez, et bien se découvrir comme un autre. Et ça a été facile, difficile pour vous de dire « je » et de dire « je » à la place d'une femme? Ça a été quelque chose de plaisant, finalement? C'est une expérience que, en tout cas, moi, c'est une très très belle expérience à faire et j'espère que tous les hommes pourront en tout cas faire cette pensée de l'écart, c'est-à-dire cette capacité de se déplacer. Je crois que c'est possible à condition d'accepter le féminin qui est en nous
Et dans l'être à nous, par exemple, les arguments de Nour, ce que disait Nour, me venaient beaucoup plus facilement. J'ai vraiment galéré pour le père. C'est-à-dire qu'écrire d'une perspective d'homme, c'est comme si finalement c'était plutôt l'essayiste qui allait faire les choses. Alors que la fiction, justement, c'est, elle vient briser les places. Il n'y a plus de place. Vous devez entrer dans un imaginaire. Vous devez raconter une histoire, une fiction. Donc je suis plus dans l'argumentation. Je suis plus dans cette capacité à mettre des preuves, à mettre des bas de notes, je dirais en bas des pages, pour prouver ce que je dis. Et je trouve que la littérature doit être le lieu de l'expérience. Et pour moi, l'expérience par excellence pour un homme, c'est d'essayer de se mettre dans la peau d'une femme. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, et dans le titre même de la rencontre, il y a un certain nombre de sujets qui dérangent, les silences, les tabous. Exprimer la liberté du corps, la liberté des corps, d'ailleurs, la sexualité, les libertés politiques, les libertés religieuses, vaincre les tabous et les silences. Est-ce que, Zeynab, est-ce que c'est le rôle de l'écrivain, ou en tous les cas, de la dessinatrice, de l'auteur de BD, tel que, est-ce que vous assignez ce rôle? Alors, comme j'ai dit avant, moi je suis artiviste, et c'est le travail d'être artiste et activiste à la fois, parce que à mon avis, il y a une différence entre artiste et activiste, c'est que l'artiste, il est responsable de faire son œuvre, de que ça soit satisfaire son public ou satisfaire son âme, mais quand on dit artiviste comme moi, c'est le travail de provoquer la société, comme j'ai dit avant, illustrer les plusieurs réalités de la société marocaine comme je suis en train de faire, parce que malheureusement on vit dans la culture de censurer les artistes, même les écrivains. Il y a toujours des lignes rouges à éviter, et c'est toujours dans le cadre de la chouma, de l'interdit, de tout ce qui est haram, aïb, d'évoquer quelques points. Et donc, l'artiviste pour moi, je suis désolée, je parle au nom d'artivisme, mais je suis aussi, j'écris, je dessine en même temps. On doit absolument, surtout l'image pour moi, elle a un pouvoir plus que le... avec tout mon respect au texte et à l'écriture, mais le dessin, elle a aussi un pouvoir. Malheureusement, au Maroc, on n'a pas cette culture de lire et consommer les livres par une grande majorité des Marocains, mais c'est pour cela que j'ai utilisé l'outil de l'image sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu que ça a attiré toutes les classes sociales. Ça, l'image, on n'a pas besoin de lire quelque chose. On a des personnes qui ne savent pas lire et écrire ici au Maroc. On a un petit pourcentage, mais quand je faisais des projets de BD qui étaient distribué gratuitement au village, dans des lycées, dans des collèges, il y avait tout type de personnes qui pouvaient comprendre une image seulement en quelques secondes, avec un message qui choque, qui est très fort. Donc c'est ça la différence pour moi entre un artiste et un artiste, mais surtout un artiste militant doit éviter aussi, c'est d'être militant que pour ses propres droits. C'est pour cela que je salue tous les hommes qui rédigent des essais, des romans qui défendent les droits des femmes. Par exemple, l'égalité en héritage, on a des auteurs, des hommes, des artistes qui prennent la parole, parce que être militant, ce n'est pas fait juste pour quand on est victime, mais aussi quand on est privilégié. Quand je dis privilégié, que ce soit au niveau de religion, au niveau de classe sociale, au niveau de savoir, c'est de penser aux autres au-delà de juste nos besoins. Et c'est ce que, surtout, pourquoi je suis très contente d'être là aujourd'hui, c'est qu'on ne donne pas souvent la voix à la nouvelle génération. On est toujours... opprimés par ce prétexte de il faut être expérimenté pour rédiger un livre, ou il faut être
à sa place pour faire n'importe quel projet. Et donc, surtout, tout ça, ça rentre dans le cadre d'être un militant qui veut changer sa société. Mais l'artiviste que vous êtes, pour reprendre votre néologisme, c'est quelqu'un qui dérange par ses propos, qui veut bousculer un petit peu le titre, le sous-titre en témoigne de votre livre. Et c'est aussi quelqu'un qui a la volonté d'éduquer. Votre livre, c'est quasiment un précis d'éducation sexuelle, d'une certaine façon. Il y a une volonté, peut-être, je sais pas, de mettre dans les mains des jeunes hommes et des jeunes filles le livre que vous auriez aimé avoir, peut-être. En tous les cas, il y a un rôle éducatif quasi pédagogique dans votre travail. Alors, effectivement, quand par exemple mon guide illustré Shoma, il a le rôle éducatif, oui, mais je garde le mot éducatif au personnel qui ont le travail comme les experts en comme par exemple les sexologues. Moi, je ne suis pas une sexologue, mais je suis une femme militante. Et la différence, c'est que ce que je fais, c'est que je fais mon travail de recherche. J'ai mon petite expérience comme femme qui a une vie sexuelle, qui a un désir et qui a illustré sa souffrance, qui a illustré son envie de changer et que les prochaines générations ne vivent plus tous ces problèmes sociaux. Et donc, on a le rôle éducatif, mais l'artivisme, on peut dire que ça a commencé depuis le mouvement intellectuel et artistique, le dadaïsme, en Première Guerre mondiale. Et le but, c'était la recherche à la rupture des formes d'expression qui sont traditionnelles. Et c'est ça l'objectif, c'est que moi, je suis en train de faire la rupture de toute forme traditionnel où il faut dire que ça, ne pas dire certains points, et donc c'est éducatif, c'est le courage et c'est faire face à tout ce qui est interdit, haram et hichoma. Leïla, les sujets qui dérangent, les aborder, essayer de combattre, militer, amener une parole qui ne va pas dans le sens de celle que l'on veut combattre, c'est plus facile avec l'éloignement, c'est plus facile avec la notoriété, ou au contraire, c'est peut-être un peu plus de responsabilité parce que votre voix porte davantage? Non, c'est plus difficile avec la notoriété parce que d'un coup, les choses ont plus de poids, plus de conséquences. Parce que la notoriété suscite aussi de la méfiance de la part parfois de votre public qui pense que vos propos sont peut-être dits parce que vous avez une forme de notoriété ou que vous voulez la garder. Enfin, vous voyez, il y a toute une paranoïa autour des gens sur lesquels il y a une forme de lumière. Mais pour rebondir sur ce que disait Zainab, bon, vous savez, moi je l'ai rencontrée par réseaux sociaux interposés il y a déjà longtemps. Elle n'était pas encore connue à l'époque, mais je me souviens que j'avais repéré ses dessins et j'avais été vraiment émue aux larmes de voir l'évidence du courage de cette jeune femme et l'évidence de sa lucidité. Et un courage qui n'est pas un courage, j'allais vous dire, théorique ou héroïque, c'était juste que pour elle, c'était évident parce qu'il y avait quelque chose d'insupportable. Moi, j'ai eu une éducation merveilleuse. Je dois beaucoup de choses à mes parents qui m'ont transmis le savoir, la connaissance et tout, mais ils ne m'ont pas transmis la liberté de parole parce que c'est quelque chose qui, de toute façon, dans nos sociétés, n'existe pas parce que c'est trop dangereux. Même de la part de parents, ils sont obligés de vous dire « Oui, tu as le droit de penser ça, mais ne le dis pas. Tu as le droit de faire ça, mais ne le dis pas. Tu as le droit de boire, de sortir, d'avoir une relation sexuelle, c'est-à-dire c'est ce que me disaient mes parents. Mais surtout, ne le dis pas. Quand vous dites ça à un enfant, ça crée quand même un gros problème dans sa tête. Parce qu'il se dit, mes parents me disent que j'ai le droit, mais en même temps, ils m'expliquent que la société pense que c'est mal. Donc, où se situe la vérité? Et donc, quand j'ai commencé à écrire et que j'ai commencé à dire vraiment tout ce que je pensais, c'est comme une drogue, c'est comme de commencer à manger quelque chose de délicieux, vous pouvez plus vous arrêter. L'ivresse de la liberté. Enfin, il y a une sorte d'ivresse comme ça, donc je commence et je, si vous voulez, les risques et tout n'avaient plus aucune importance parce que je découvrais cette ivresse et j'ai réussi aussi finalement
à convaincre plus tard ma mère, mes sœurs qui, au début, n'arrêtaient pas de me dire, mais tu es complètement folle, c'est beaucoup trop dangereux, faut s'arrêter là, faut s'arrêter là. Et j'essayais de repousser à chaque fois la frontière, mais c'est, oui, c'est grisant de retrouver cette liberté, mais il faut vraiment comprendre que on est dans des sociétés où on fait tout pour nous expliquer, et en particulier quand on est une femme, que la moindre parole de liberté qu'on va avoir va tout détruire. Elle va briser les frontières, elle va briser les règles, elle va détruire les valeurs, elle va détruire les familles, qu'on sera toute seule, que personne ne nous aimera, que personne ne nous comprendra, qu'on sera déshonoré, sali, et qu'à cause de nous, tout le monde sera malheureux, en gros. Rachid, la volonté de transmettre avec le roman, dans Les yeux du ciel, on va parler de celui-là, vous mettez en scène une prostituée, vous dites que cette prostituée est le réceptacle de toutes les frustrations du monde arabe. Et il est vrai que ça, dans sa clientèle, il y a un échantillon des catégories sociales, politiques, religieuses, tout le monde est représenté, ça va du gouverneur au journaliste étranger de passage, en passant par le religieux, la société est représentée. Cette femme a aussi, je le précise, un ami qui s'appelle Slimane, qui est prostitué lui aussi, qui est homosexuel et qui est militant de la révolte qui est en cours. Là, vous cochez toutes les cases qui dérangent quand même. Hein. Vous mettez dans un personnage, dans ces deux personnages, tout ce qui peut déranger. Cette volonté de passer par le roman et de choisir ces personnages tels qu'ils sont, comment vous avez construit cette affaire-là de ce roman? J'ai assisté, comme beaucoup de gens, à cette expérience assez incroyable au moment du soulèvement dans les pays arabes, et que pendant très longtemps on a dit que ces pays étaient fermés, qu'il n'y avait rien à espérer, et d'un seul coup, seul l'imprévisible arrive. Et on a vu des gens descendre dans l'espace public, se saisir de l'espace public, les artistes aussi, qui étaient en train d'inventer, je dirais, ce nouveau monde. Et donc, je voulais raconter un peu cette révolution, et je me suis dit, à partir de quoi j'ai envie de la raconter? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée de la marge, parce que, encore je le dis, que la marge dit des choses que les sociétés ne veulent pas voir. Autrement dit, la marge, comme sur une page, c'est l'effet miroir grossissant de ce qu'est une société, de ce qu'elle refuse de voir. Et là, vous êtes à la marge de la marge de la marge. Hein. Mais pas tellement, parce que si j'ai pris Nour et Slimane, Nour, c'est tout d'abord ces assignations que l'on fait sur le corps des femmes, et en même temps, il y a aussi des assignations sur les hommes. Et que, justement, Slimane, ce poète révolutionnaire qui est l'ami de Nour, vient casser complètement cette idée de la virilité. Et je crois que les rapports entre hommes et femmes ne pourront pas changer tant que les assignations aussi qui sont faites sur les hommes, ces silences, ces souffrances dont on parle aussi très peu, si on ne les met pas en avant, il y a quelque chose qui ne peut pas opérer. Autrement dit, pour changer une réalité, il faut changer les représentations. Et pour moi, je dis, le corps de Nour, c'est une métaphore du monde arabe, et en s'en mettant à nu dans sa chambre avec tous ces acteurs qu'elle reçoit du gouverneur jusqu'à l'islamiste, ça permet de révéler les hypocrisies, ça permet de révéler les relations de pouvoir, parce qu'il y a toujours un lien très fort entre le corps, la sexualité et le pouvoir. Et que toutes ces assignations sur les femmes, parce que les femmes, pour beaucoup de gens, ce sont les lieux de la porosité par rapport au groupe. Et donc, c'est pour ça que le discours religieux, le discours traditionnel va être beaucoup plus fort sur le corps des femmes, parce que c'est le lieu de l'altérité, c'est le lieu de la porosité. Donc, du coup, on s'enferme parfois dans un discours qui est complètement, comme dirait Mohamed Harkoun, mytho-historique, avec des assignations des uns et des autres, et qu'à un moment, il va falloir briser ça. Et comment on le brise? Par ce que Michel Foucault appelle le courage de la vérité. Et le courage de la vérité, c'est d'abord le courage vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa propre subjectivité, c'est-à-dire être le plus transparent avec soi-même, quitte à ce que cette parole, lorsqu'elle est énoncée dans l'espace public, peut vous faire lâcher. Et je crois qu'il faut aller, me semble-t-il, jusque-là, et que finalement, on se méfie énormément de la littérature dans le monde arabe, parce qu'elle vient concurrencer un autre texte, qui est le texte sacré. Et c'est pas pour rien que le roman a eu du mal, il n'est pas né dans les pays arabes, il a du mal à pouvoir se développer parce que d'un seul coup, on fait d'autres expériences que l'expérience religieuse. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, me semble-t-il,
à travailler sur les romans comme sur les textes religieux qui ont cette capacité à dire l'humain. Et les textes religieux disent quelque chose de l'humain, mais la poésie dit aussi quelque chose de l'humain, la musique dit quelque chose d'humain, le dessin dit quelque chose de l'humain. Et donc, cette variation imaginative, artistique autour de la langue, autour du langage, permet la pluralité, parce que fondamentalement, ce qui pose problème dans nos sociétés, c'est pas tellement les silences et les tabous, parce que les silences, on en parle. Les tabous, ils sont mis dans l'espace public. Absolument. Donc on peut pas dire que ces sociétés sont privées de parole. Simplement, ce qu'il va falloir négocier, c'est la possibilité d'exister en tant qu'être différent, de pouvoir accepter que l'autre soit différent. Et c'est ça le vrai travail, me semble-t-il, aujourd'hui, dans les sociétés qui sont travaillées par ce que Mohamed encore appelle encore le fait islamique. C'est, est-ce que nous allons avoir cette capacité de négocier un compromis pour que tous ces êtres, quelle que soit leur identité, puissent se définir. Ce qui est très intéressant, c'est comment aujourd'hui la question, comment la notion de l'identité passe par la question du genre. Pendant très très longtemps, la question de l'identité de l'individu ne passait pas par cette question du genre. Et donc c'est très intéressant de voir, si on veut bien faire le déplacement, entre la manière dont les individus existaient dans des relations sociales, je dirais de l'Antiquité tardive jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il faut bien se rendre compte et dire ça aux gens que le rapport homme-femme tel qu'il est n'a pas toujours existé. C'est quelque chose de très, très récent. Et je crois qu'on a un rapport au passé qui est finalement pas très sain parce qu'on le méconnaît. Et à partir du moment où le rapport au passé est flou, notre représentation du monde, de soi-même, des autres, ne peut être que biaisée. Et c'est pour ça que j'en appelle aussi à faire de l'histoire, parce que l'histoire nous montre la complexité du monde, nous montre que les représentations que nous tenons pour vraies, elles sont liées à un régime de vérité qui à un moment va s'installer. Et qu'aujourd'hui s'opèrent dans les pays musulmans d'autres régimes par des combats, et c'est très important, je dirais, de non seulement de pouvoir parler, mais en même temps de pouvoir aussi parler avec l'altérité, de se dire ben, comment on va négocier dans une société, par exemple comme le Maroc, qui est en train de sortir de tradition. La sécularisation, elle est là. Et s'il y a, me semble-t-il, un discours religieux qui est de plus en plus important, c'est parce que les corps sont déjà touchés, les mentalités sont déjà touchées, et que finalement, ce fondamentalisme religieux n'est qu'une réaction à quelque chose qui est en train de, je dirais, mais de bizarrement, s'opérer. Il va contre les traditions, parce qu'en même temps, si on revient aux vraies traditions marocaines, aux vrais modes de vie, à la spiritualité, à la cohabitation avec d'autres religions, à tout ça, le nouveau fondamentalisme lui remet en question absolument ses propres traditions. Donc, il y a aussi ce sentiment de quelque chose qui arrive de l'extérieur. Moi, c'est ça qui, pour moi, suscite une grande mélancolie chez moi. C'est que j'ai l'impression qu'on a tous les anticorps et qu'on n'utilise pas les bons. Mais tu as raison, mais c'est, simplement tout à l'heure j'entendais Zainab sur la question des traditions. Les traditions marocaines, les traditions islamiques sont plurielles, et qu'il ne peut pas y avoir de modernité endogène si on ne s'appuie pas sur les éléments les plus émancipatoires d'une tradition. Je voudrais qu'on donne la parole à Zainab, parce que vous avez choisi, Zainab, dans votre livre, vous avez des choix esthétiques qui sont singuliers. Le choix du noir et blanc, de surligné de rouge, comme on le voit sur la couverture, une esthétique minimaliste peut-être dans le dessin, très différente de ce que vous pouvez faire par ailleurs lorsque vous dessinez sur les réseaux sociaux, sur d'autres. Il y a une espèce de refus de la séduction, ou du moins de la séduction selon les codes imposés. Comment vous êtes arrivé à ces choix esthétiques dans votre livre? Alors c'est vrai que j'ai radicalement changé ma palette de couleurs dans mon projet Hichouma, parce que d'habitude je dessine toujours avec une palette de couleurs de bleu, jaune, vert et rouge, et ça fait référence au drapeau amazigh, parce que dans mon travail j'illustre souvent la présence de la culture amazigh en Afrique. Et du coup j'ai fait exprès en Hichouma de faire une palette qui est plutôt, voilà, c'était minimaliste comme choix de couleurs. Noir et blanc, c'était pour une neutralité, tout simplement une neutralité de couleur de peau, comme c'est un livre qui défend la diversité de corps, la diversité de que ce soit beauté ou forme de corps.
Et le rouge, c'est tout simplement, pour moi, c'est une couleur dans le livre, elle représente le sang de toute victime tout au long de l'histoire d'humanité qui était victime de violences basées sur le genre, basées sur l'orientation sexuelle et basées sur aussi la classe sociale, victime d'extrémisme, de terrorisme, d'intégrisme au niveau politique aussi, parce que j'ai vu des gens qui disent il faut pas rendre ces minorités, de leur donner le label victime, mais en fait le fait de dire que c'est des victimes de violence, c'est le premier pas pour briser le tabou, parce que normalement on ne dit même pas ici que c'est des victimes, on dit toujours ils méritent ce qui se passe comme violence contre ces minorités. Il y a même les lois qui leur rend des criminels, alors que le fait de dire que c'est des victimes, c'est avant tout corriger les lois, corriger la mentalité patriarcale, homophobe aussi, qui règne. Et du coup, pour moi, c'est surtout des couleurs comme voilà, le rouge, c'est une couleur qui attire surtout, et c'est une alarme pour moi de réfléchir et de changer cette façon de voir la différence comme un crime, parce que, comme j'ai dit, il faut dépénaliser le plaisir au Maroc, parce qu'il est vu toujours au niveau religieux, que ça soit haram en religion, sachant qu'il y a plusieurs exégètes et théologues et philologues qui ont dit que c'est des fausses idées créées par l'humain, alors que les religions, c'était toujours des textes basés sur la paix, sur la tolérance. Que ça soit le plaisir illégal comme l'homosexualité ou hors mariage, on n'est plus dans le haram, mais quand on dit c'est illégal, là on parle du pouvoir politique. Et c'est ça mon objectif pour moi, c'est le pouvoir politique, parce que on peut choisir notre religion, mais là malheureusement on est forcé à vivre sous des lois basées sur une seule religion, alors que puisque je parle de la culture amazigh, l'objectif aussi c'est de dire que le nord d'Afrique, c'est un terrain qui a accueilli des juifs, des chrétiens, des musulmans. Il y avait toutes sortes de religions depuis l'Empire romain, depuis le royaume amazigh, et surtout c'est un message de paix, et comme a dit Monsieur Rachid, c'est de vivre, toute cette entité, de vivre ensemble et d'arrêter toute forme d'imposer une seule forme de croyance à tous les citoyens. Alors j'aimerais, juste avant de peut-être passer la parole aux questions des auditeurs, faire un tour de table sur la langue, Leïla. Quel rôle joue l'arabe dans votre écriture, en particulier dans le pays des autres, dans le processus d'écriture? Est-ce que vous avez l'impression que l'arabe interfère d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous y avez recours pour certaines séquences dialoguées, par exemple? Est-ce que vous pensez, certains auteurs disent, je pense en arabe, j'écris en français, dans certains souvenirs, quel rôle l'arabe joue-t-il dans votre écriture? Peut-être ne joue-t-il pas de rôle dans ce processus? Un rôle sans doute très diffus, très ténu, qui serait difficile à expliquer. L'arabe est un grand chagrin pour moi, un grand chagrin intime,
Mon père fait partie de cette génération de... Mon père et ma mère, d'ailleurs, font partie de cette génération de Marocains qui ont fait leurs études juste après l'indépendance. Donc, de cette génération qui a été élevée en langue française. À l'époque, les nationalistes donnaient beaucoup de bourses pour aller faire ses études en France. On faisait le lycée en français, on allait faire ses études en France, on revenait au Maroc. Et ça n'est que très longtemps après que cette génération a compris qu'en fait, Hassan II et les dirigeants autour de lui de cette époque voulaient créer une espèce d'élite qui serait totalement déconnectée du peuple, qui serait tellement déconnectée du peuple qu'elle ne pourrait jamais le représenter. Et que donc, elle finirait par choisir le côté du pouvoir et qu'elle n'irait pas contester le pouvoir parce qu'en fait, elle serait déracinée chez elle. Et c'était le cas de mes parents. Mon père est un homme qui est devenu ministre et qui ne savait pas parler l'arabe classique. Donc, qui a appris à l'âge de 35 ans l'arabe classique en phonétique et qui a fait un discours comme ça, il n'était pas capable de l'écrire. Donc, il n'a pas pu nous le transmettre. Et donc, c'était pour moi un sujet de chagrin, un sujet de honte, un sujet de colère à l'égard de mes parents, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient des mauvais Marocains, qu'ils étaient nuls, qu'ils n'étaient pas capables de me transmettre leurs racines, que je comprenais pas. Il a fallu justement que je fasse de l'histoire pour comprendre d'où ils venaient et d'où venait, comment c'est possible d'être un étranger chez soi. Comment c'est possible de s'appeler Othman Slimani, de ne pas parler l'arabe alors que vous vivez au Maroc. Comment c'est possible? Donc, je parlais d'Alija, l'arabe qu'on parle dans la rue et tout. Et ça aussi, c'est qu'au Maroc, notre propre langue est méprisée. Parce que notre langue, elle n'est pas enseignée. Notre langue, on considère qu'elle est moche, qu'on doit parler l'arabe classique, qu'on lit l'arabe classique. À mon époque, les infos étaient en arabe classique. Le discours de Sa Majesté était en arabe classique. On ne comprenait rien. Donc, on nous parlait une langue qu'on ne comprenait pas. Et la langue qu'on parlait dans la rue, on n'avait aucune considération pour elle. Donc, j'ai vécu vraiment dans un rapport à l'arabe très, très compliqué. Donc, le français, c'était un lieu dans lequel je me sentais beaucoup plus protégée. C'était beaucoup plus simple. Par le français, je pouvais avoir accès à plein de cultures différentes en plus, parce que beaucoup de livres étaient traduits en français et tout. Donc, l'arabe, pour moi, c'est un sujet vraiment de très grande tristesse. Et pourtant, je l'ai appris de l'âge de 6 ans à la terminale. J'étais une élève... franchement excellente, j'étais une élève brillante, j'ai eu une mention très bien au bac et j'ai eu 5 en arabe. Je n'ai jamais eu en dessous de la moyenne de toute ma vie. Et c'est comme si cette langue ne voulait pas de moi. Elle ne rentrait pas en moi alors que je parle l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien parfaitement et je ne suis pas capable de parler ma propre langue. C'est une douleur. Rachid, vous instituez un dialogue entre une mère analphabète et son fils intellectuel, brillant, enfin. Vous êtes venu très jeune, donc vous, la scolarité, elle est française. Et quel lien vous entretenez avec l'arabe? Ça ressemble à ce que vient de dire Leïla? Pas du tout, au contraire. Vous êtes dans Mohamed Aissaoui, le romancier algérien, disait récemment « Je ne parle pas la langue de ma mère ». Est-ce que vous êtes dans cette situation ou pas du tout? Dans quel rapport êtes-vous avec la langue arabe? Je parle la langue de ma mère et de mon père. Moi, je suis arrivé en France, j'avais 7 ans. Et au Maroc, quand j'écoutais Kenitra, habitant dans un quartier populaire, j'allais passer en CE2. Et quand on est arrivé ici, pour rejoindre mon père a tenu... pendant très très longtemps, à ce qu'on fasse l'école coranique. Donc du coup, juste après l'école, dès que l'école finissait, on se retrouvait pendant 2 heures à apprendre la langue arabe et le Coran. Et donc du coup, mon rapport à la langue arabe passe à la fois par la chanson marocaine, énormément, et par l'esthétique de la réception de la langue coranique. C'est-à-dire que j'ai un père qui est un érudit musulman, qui connaît le texte du Coran par cœur, qui a tous les grands commentateurs du Coran. Donc du coup, il y a ce rapport au texte, il est fondamental. Ben, j'ai hérité de ce rapport-là. Ça joue dans votre écriture? Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame dans votre langue française? Il y a une présence de la langue arabe? Ben, en tout cas, j'essaye, quand j'écris, notamment pour la fiction, que de retrouver une musicalité. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve qu'il y a une musique de la langue arabe dans les textes de Rachid. Ouais, bon, je l'ai trouvé dans la fiction, en tout cas. Ouais. Il y a quelque chose du souffle de la voix. C'est marrant que tu dises la chanson, parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de ces grandes chanteuses qui sont capables, comme ça, de parler jusqu'à bout de souffle, et elles reprennent, et quelque chose d'incantatoire, presque, dans sa parole de fiction, je trouve. Oui, absolument. Je rejoins ce que vient de dire Leïla, c'est-à-dire que ainsi parler ma mère, c'est la réhabilitation, la reconnaissance de la culture orale, de l'analphabétisme, parce que la culture orale, c'est une vraie culture qui a été complètement disqualifiée par la culture écrite.
Mmh. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, comme la chanson populaire, Chahbi, que moi que j'adore, mais qui est souvent méprisée, comme la Darija, etc. Donc, du coup, lorsqu'on méprise toute une partie de sa culture, il est très difficile d'avoir un rapport très sain, finalement, à sa propre société. Et donc, moi, pour moi, la question de ce qui est invisible, de ce qui est illégitime, la question, c'est comment, qui décide que c'est illégitime, qui décide que c'est invisible? Ben, puisque on parle du pouvoir, c'est pas simplement le pouvoir politique, c'est que le pouvoir est partout. Le pouvoir est dans une classe, avec entre le maître et les élèves, le pouvoir est dans un couple, le pouvoir est dans la famille. Donc, il faudrait pas se focaliser uniquement sur le pouvoir politique, qui n'est qu'une expression, je dirais, de ce pouvoir. Et à partir du moment où il faut interroger cette question de ce pouvoir, est-ce que ce pouvoir crée de l'autorité, au sens d'autorisation, ou est-ce que ce pouvoir crée de la coercition, au sens d'obligation? Et pour moi, un vrai pouvoir, c'est celui qui permet, qui autorise. Comme vous pouvez avoir un pouvoir sur vos enfants, mais c'est un pouvoir qui les autorise à grandir. C'est-à-dire qu'à un moment, vous les prenez en tant que personne, en tant qu'individu, et au sens d'altérité, mais au sens aussi de personnes qui sont légitimes à dire et à faire. À partir du moment où vous pensez que vos citoyens sont des éternels mineurs, c'est très difficile d'avoir une société responsable. Puisque lorsque vous considérez qu'une partie de votre peuple est mineur, au sens où finalement elle n'a pas le droit ou il n'a pas le droit de parler, de s'exprimer, automatiquement, vous rentrez automatiquement dans une société du mensonge. C'est-à-dire que la parole qui doit faire lien, parce que la parole, ce sont des mots. Si vous n'avez plus confiance dans les mots, ben c'est toute votre identité qui est détruite et toute la société et toutes les relations. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas les choses directement, parce qu'il faut bifurquer, parce qu'il y a un discours implicite qui est à un niveau, puis vous avez un autre discours, de telle sorte que si vous n'avez pas la possibilité de coder les éléments, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je crois que lorsqu'une société perd confiance dans les mots et dans le langage, il n'y a plus de société. Absolument. Alors, vous avez parlé de chansons marocaines, ça m'invite à passer la parole à Jeanne Bougrine, qui ce soir est journaliste, mais qui par ailleurs est aussi chanteuse et musicienne, et elle va être donc l'intermédiaire entre les questions qui ont été posées sur la plateforme et nos trois invités. Jeanne est une trappiste, hein, elle vient de Trappe. Absolument. À le dire. Quelle belle transition, mon cher Bernard. Alors, bonsoir Leïla, bonsoir Bernard, bonsoir Rachid. On a eu des questions, beaucoup, beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de résumer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont revenues. Et désolé pour ceux dont les questions ne sont pas traitées. Alors, il y a eu des questions du Costa Rica, de l'Afrique du Sud, de Hambourg, enfin de l'Allemagne, de l'Europe, de l'Argentine, du Liban, du Maghreb. Tout le monde vous regarde ce soir. Je vais peut-être commencer par ce que vous disiez, enfin, vous avez terminé sur la question de la langue, la langue arabe, peut-être la vulgarisation d'un discours doit passer par peut-être une langue commune à tous, ou une langue que la majorité comprend. Alors, une question du Liban qui dit « Comment vulgariser la liberté sexuelle et ne pas se limiter à une élite intellectuelle ?» Mais ça, justement, ça passe aussi par la langue. Moi, je me souviens que quand j'ai travaillé sur sexe et mensonges, très souvent, quand j'interviewais les femmes, alors, pour les femmes arabophones, on parlait en darija, j'arrivais à bien comprendre et tout, mais elles avaient très honte de dire les mots sexuels en arabe. Et c'était plus facile pour elles, parfois, de passer par le français pour me dire des mots sur la sexualité, comme si le mot arabe était trop cru, trop violent aussi, parfois. Trop dur. Alors, tous les mots qui sont autour de la sexualité féminine, du vagin, de la pénétration, du viol sont en arabe dialectal, ils sont quand même en darija, ils sont assez durs, assez harsh. Enfin, il y a vraiment, c'est assez visuel, quoi. Et donc, c'est vrai que les femmes étaient un peu empêchées. Donc, je crois qu'il y a quelque chose autour de l'invention de la langue qui va nous permettre de libérer sexuellement. Je suis persuadée que les premières générations où vont se créer des individus qui vont prendre en main leur sexualité, sont aussi des générations qui retrouveront un vocabulaire érotique, un vocabulaire poétique, un vocabulaire du corps qui est un vocabulaire joyeux, épanoui. Mais de la même manière, j'allais vous dire, si vous regardez par exemple pendant des siècles la littérature arabe sur le vin, sur l'alcool,
c'est absolument merveilleux. Parmi les plus beaux poèmes de la langue arabe, ce sont des poèmes qui parlent de l'ivresse, qui parlent de l'alcool, qui parlent de nuits de fêtes. Ça nous paraît difficile à imaginer aujourd'hui. Et pourtant, voilà, je crois qu'il y a toujours un moment où ça se rencontre. Le langage raconte une liberté et une façon de la vivre. Donc, à mon avis, les deux vont aller de pair. Et c'est pour ça qu'on doit absolument continuer à écrire, continuer à mettre des mots, continuer à dessiner, parce que c'est comme ça qu'on va creuser ce sillon et briser non seulement le silence, mais l'absence de mots. De mots comme de dessins, par exemple. Exactement. Une des raisons pourquoi quand j'ai commencé le projet Shoma, c'était censé être en Darija. Et au début, j'étais bloquée par le manque de mots parce que le problème, c'est que ça existe les mots pour décrire les parties de corps, les orientations sexuelles, mais ils ont pris une connotation péjorative avec le temps. Et moi, quand j'ai lu Le Jardin parfumé, qui date du XIIIe siècle, j'ai vu à quel point les Arabes, ils étaient libres depuis des siècles. Et là, quand on voit les sociétés, les pays arabisés en Afrique, comme je le dis à ma façon, ça, on voit une dégradation au niveau de vocabulaire pour décrire le corps. Mais je me rappelle très très bien quand je faisais des signatures dans plusieurs villes au Maroc, j'ai trouvé que chaque ville a créé des alternatives, des mots pour remplir ce vide linguistique. Et il disait par exemple Rouh pour décrire les parties de corps en nord du Maroc, alors au sud ils ont d'autres. Rouh, ça veut dire l'âme en arabe. Et du coup dans plusieurs villes chaque communauté a créé des alternatives pour pouvoir donner une éducation sexuelle à leurs enfants. Rachid, peut-être l'idée aussi du théâtre de Netranour qui soit récité comme ça au théâtre, peut-être en arabe. Enfin, tu l'as beaucoup fait, tu as tourné au Maroc, à Tanger, je sais que ça avait très très bien marché. La vulgarisation pour toi, sans que ça devienne juste une élite intellectuelle. Je pense que effectivement, ce qui a été dit. C'est la question de cette langue, mais j'ai envie de dire qu'il faut qu'on soit attentif à la création de la manière dont les gens parlent de la sexualité, parce que on pourrait avoir une impression que de l'Occident, que la sexualité est taboue, la manière d'en parler est taboue. Or, en vérité, et ce que tu as montré, Leïla, à travers ton livre « Sexualité et mensonge », montre qu'en fait, il y a une espèce d'obsession sur la sexualité. On en parle, et on en parle de manière parfois très, très métaphorique. Et donc, du coup, ces différentes manières de parler du sexe et les usages dans la manière, c'est assez intéressant. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'écoutais le Hajj al-Hamdawiya. Et donc, elle a des métaphores. Quand on est gamin, on ne comprend pas, mais elle a des métaphores sur la sexualité, sur le corps, qui font que c'est encore beaucoup plus puissant parce que c'est une métaphore et c'est un langage qui s'adresse à l'imagination. Et donc, l'imagination se met en branle plutôt qu'un espèce de langage qui serait cru et direct et qui peut faire violence. Mais il fait violence parce que on considère qu'il est violent. C'est-à-dire que on pense que c'est un usage de la langue qui est complètement décrié. Moi, j'ai été vraiment très impressionné par le travail de Nourdine Lakhmari sur Casanegra. Casanegra, d'un seul coup, il y a le surgissement d'une langue qui est considérée comme illégitime, qui apparaît, et d'un seul coup, ça ouvre un espace. Ça ouvre un espace, et c'est tellement violent pour certains, parce que ça nous renvoie finalement à qui nous sommes. Et au fait, il montre que nous sommes aussi cela, et qu'il va falloir accepter aussi cette part au niveau de la langue. Et pour la démocratisation, c'est justement... en tout cas, j'adore quand je vais au Maroc rencontrer les collégiens, les lycéens, que ce soit des collégiens francophones ou arabophones, pour que les idées, moi je crois fondamentalement que les idées font avancer la société, à condition que ce soit des propositions et pas des espèces d'impositions.
Et je crois que fondamentalement, ces pays vont avancer lorsqu'on va accepter cette idée de la pluralité, qu'il n'y a pas un discours qui est monolithique, même sur le discours religieux. Moi, je travaille là-dessus depuis 30 ans, je peux vous montrer qu'il y a une amplitude de voix. Et donc, à partir du moment où on introduit de la complexité et de la nuance, et je crois beaucoup à l'art, l'art vraiment, je crois beaucoup à l'art, c'est pour ça, à la fiction, parce que d'un seul coup, il y a l'identification. Et d'un seul coup, on est suspendu à un livre, comme tu le disais tout à l'heure, on est suspendu à un film, on peut être suspendu face à une bande dessinée, et d'un seul coup, ça parle à notre imagination. Mais tant que les textes ou l'art ne parlent pas à l'imagination, c'est très difficile de passer à l'action. Et c'est pour ça que pour moi, l'imagination, elle est fondamentale. Sur les essais, je ne fais pas ça. Mais si je viens, je dirais, à l'endroit de la littérature, à l'endroit du théâtre, quand j'essaie de mettre en scène un certain nombre de textes, c'est pour venir bouleverser les imaginaires. Et tant que les imaginaires ne sont pas bouleversés, les représentations de nous-mêmes et des autres ne changeront pas. Et tant qu'on ne change pas les représentations, on ne pourra pas changer une société. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on développe tellement, mais tellement de force pour développer cette immunité au changement. Et donc, cette résistance au changement, qu'est-ce qu'elle vient dire des sociétés ? Jeanne, une autre question ? Alors, une autre question qui rejoint celle-ci. Est-ce que vous pensez que l'éducation sexuelle ou briser les tabous, etc., d'un point de vue occidental, est transposable au Maghreb ? Est-ce que le modèle européen serait transposable au Maghreb ? Moi, j'allais vous dire que le viol, ça n'a pas de nationalité. L'avortement, ça n'a pas de nationalité. Quand vous faites avorter, la première question qui vous vient, vous vous dites pas est-ce que je me suis fait avorter de manière occidentale ou de manière pas occidentale ou violée de manière occidentale. Non, à un moment, un crime est un crime, et malheureusement, ce sont des crimes très très universels et ce sont sans doute les choses les mieux partagées de l'humanité. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, par exemple, en Amérique du Sud. J'ai beaucoup travaillé avec les féministes argentines, mexicaines, et je peux vous assurer que ce qu'elles traversent, elles le traversent de la même manière que les marocaines, que les congolaises, que les afghanes. Donc, la grande question, justement, c'est, je pense que nous, les femmes, on aurait vraiment tort de nous enfermer dans des formes de particularisme, parce que ça va se retourner contre nous. Si on commence à dire que on veut bien de l'éducation sexuelle, mais d'une certaine manière, on va nous dire ouais, mais justement, tu sais, ici c'est pas la même chose. Donc l'avortement c'est bien pour elle, mais ta culture c'est pas tout à fait ça, donc ça pourra pas marcher. Non, je pense qu'il faut qu'on revendique aussi le fait que au-delà d'être des femmes, nous sommes des êtres humains et que nous avons le droit à des droits qui sont des droits inaliénables, et que chaque être qui naît sur cette terre a droit à la sécurité, a le droit à une sexualité sûre et secrète, s'il en a envie et intime, a droit au respect de sa parole, au respect à la liberté de croyance. Je crois que vraiment, vraiment, en tant que femme, on doit se méfier de ce genre de relativisme. Je n'ai jamais vu, en tout cas, que ça nous ait profité. Je crois qu'au contraire, on doit être les plus universalistes possibles, défendre cet universalisme. Et vraiment, pour avoir été aux côtés de groupes féministes partout dans le monde, je peux vous assurer qu'on vit la même chose et qu'on est face aux mêmes obstacles et que notre sororité, elle peut vraiment dépasser ces questions d'occidentalisme ou de je sais pas quoi. Pour moi, le respect du corps, il a pas de nationalité. Et les gens qui m'expliquent que c'est tout est question de culture, je leur réponds que le viol c'est pas une culture et la violence c'est pas une culture. Aucune culture ne peut se prévaloir de ça. Oui. Je voulais juste ajouter, parce que je partage la même réponse avec mon idole Leïla, et ça je l'ai bien rédigé dans mon livre, c'est que j'ai dit on est toujours au Maghreb tombé dans ce piège de il faut pas tomber dans la culture occidentale et suivre leur modèle, ça nous faut créer un modèle propre à nous, alors que il faut pas oublier que l'Église en Europe il y avait un contrôle énorme et grâce à la philosophie de Lumière ça a pu changer avec la Révolution et tout. Et surtout, nous, ils nous ont précédés, oui, à avoir des modèles de laïcité au niveau politique. Nous, on est encore là
dans des pays où il y a une religion qui et le pouvoir, enfin, et les lois sont, les deux en train de contrôler notre vie intime, je veux dire comme ça. Et du coup, il ne faut pas tomber dans ce piège de donner des nationalités aux libertés, parce que les frontières, c'est créé par l'homme, même les langues sont créées par l'homme. Donc, tout est créé par l'homme et on est là en train de jouer dans un cercle fermé d'identité, de rester chez soi. Il ne faut pas sortir d'un autre continent, sinon ça va être négatif. Donc, vaut mieux éviter tout ça et être tous ensemble réunis comme être humain. C'est ce qu'on partage, c'est l'humanité. Je pense qu'il faut refuser le découpage Orient-Occident, Islam-Occident, qui sont à mon avis des impasses pour la pensée et se rendre compte que fondamentalement, partout dans le monde, comme vient de le dire Leïla, la question du patriarcat doit être absolument débattue et qu'on doit pouvoir justement déconstruire ce patriarcat à la fois dans la tête des hommes et aussi dans beaucoup de têtes de femmes. D'ailleurs, une question qui rejoint ce que vous dites et ce qu'a soulevé Zainab sur la religion. Elle vient d'Italie. Pensez-vous que la religion, enfin, l'islam en tant que religion d'État au Maroc, institutionnalise les disparités entre hommes-femmes et, enfin, que voyez-vous, est-ce que vous voyez justement un changement dans cette jeunesse? En fait, si par exemple on parle de la question de la sexualité, sur les articles qui sont qu'on incrimine, Zainab comme moi, on fait partie du même collectif des hors-la-loi, on se bat pour l'abrogation de ces lois. Ce sont des lois qui ne viennent pas du Coran, qui ne viennent pas de l'islam, ce sont des lois qui sont dérivées du code napoléonien et qui sont dérivées de la colonisation française. La colonisation a eu un impact fondamental sur la sexualité dans les sociétés maghrébines et de manière générale dans toutes les sexualités, dans tous les pays coloniaux. Parce que l'aventure coloniale, c'est en grande partie une aventure sexuelle. Le blanc arrive dans des continents qu'il veut pénétrer, comme on pénètre une femme, qu'il veut posséder, et dans des continents qu'il considère comme sauvages. Alors on pense à l'époque que l'arabe ou le noir a une sexualité de l'ordre de la sauvagerie, une sexualité débridée. Quand les premiers Français viennent au début du XXe siècle, ils n'ont pas du tout l'image que le monde occidental a aujourd'hui de la sexualité dans le monde arabe. On pense que les hommes passent leur journée dans des harems avec des femmes lascives, que l'homosexualité y est permise, qu'on peut y pratiquer des choses sexuelles qui sont totalement interdites à l'époque dans un Occident assez puritain finalement sur le plan de la sexualité. Et c'est en grande partie un des grands impacts de la colonisation va être celui-là, parce que d'un coup, et on le voit par exemple avec les grands bordels, je veux dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est quand même des pays où dans les villes, vous avez des quartiers réservés avec des dizaines, des centaines de femmes qui sont livrées à l'esclavage sexuel. Simone de Beauvoir raconte, elle se balade avec Sartre dans le Bousbir de Casablanca, elle prend en photo des jeunes filles de 13-14 ans qui sont là pour les touristes et qui sont prostituées dans les grandes villes marocaines. Ça a été un traumatisme fondamental dans les sociétés arabes. Ça a été un traumatisme pour les hommes qui ont vu leurs filles effectivement être violées, être déshabillées, être parfois, justement même le fait de sortir, d'être éduqué, c'était une violence. Et moi, je crois qu'il y a une sorte de retour de bâton. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce rapport avec l'idée que la sexualité ou l'homosexualité, par exemple, c'est un truc d'occidental. C'est ce qui est évidemment faux, absurde et insensé. Mais donc, il ne faut pas tout confondre. Tout ne vient pas de l'islam. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu dans l'islam et dans l'histoire et dans la philosophie, la littérature arabo-musulmane aussi une valorisation de la sexualité. Donc, je crois qu'il faut, voilà, il ne faut pas tout confondre. Après, évidemment, le conservatisme et le puritanisme religieux qui est arrivé depuis les années 90, qui vient aussi d'ailleurs, a une vision de la sexualité qui est une vision très sèche, très frustre,
très misogyne, très très homophobe, ou qui a peur, c'est une vision qui a très peur du corps, qui a peur de ce qu'il représente, parce que le corps c'est l'individu, et donc c'est la liberté de choix. Le désir c'est l'absence de contrôle. Or ce sont des gens qui veulent tout contrôler, mais je crois qu'on peut pas tout mettre sur le dos de l'islam, qu'il faut trouver un moyen au contraire de rechercher aussi dans cette matrice culturelle, de retrouver aussi un imaginaire, de retrouver même une érotique, mais il faut que chacun aussi ait le choix d'être ou de ne pas être musulman, de croire ou de ne pas croire, de vouloir respecter des règles ou de ne pas les respecter s'il n'en a pas envie. Sans ça, il n'y a pas d'individu possible, à mon sens. Est-ce que Zainab veut intervenir? Alors pour moi, la réponse pour cette question, j'invite tout le monde à lire les livres de l'autrice magnifique Asma Al-Marabout, qui a absolument détaillé tout. Elle a répondu à toutes les questions qui fâchent, qui dérangent. D'ailleurs, c'est ça le titre de son livre. Et moi, j'ai beaucoup admiré son travail, parce que même moi, j'avais envie de comprendre, parce que on est tous nés dans un environnement où on écoute le mot haram, c'est illégal. Et d'ailleurs, mon premier voyage en Égypte, j'étais étonnée de savoir qu'ils n'ont pas une loi qui pénalise le sexe hors mariage. Je pense même pour l'homosexualité, mais tout ça parce que c'est local. Cette différence de loi, c'est selon le colonisé, qui a colonisé, quel pays. Et comme Laïla a dit, c'est des lois qui sont imposées par le protectorat en 20e siècle. Et du coup, on est là à corriger les conséquences de que ça soit colonisation, que ça soit intégrisme. Et je pense, pour moi, c'est pas un débat pour. Moi, j'encourage pour la réforme de religion, pour des religions qui sont pour le vivre ensemble, tous les êtres humains. Mais il faut pas oublier que si on n'est pas sous un modèle. Enfin, moi, je défends tout le temps la laïcité. Pourquoi? Parce que c'est un modèle où les citoyens sont jugés pas par leur religion ou leur croyance, mais c'est un modèle, pour moi, c'est la solution pour arrêter toute forme de contrôle au niveau de religion et tout. Trois petites choses. Je pense que les sociétés avance par des rapports de force. Ça, je crois que ça, c'est la question, c'est comment se mobiliser pour changer le rapport de force, notamment politique. Deuxièmement, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les textes religieux. Il faut faire très attention avec l'utilisation des textes religieux pour qu'ils ne correspondent pas du tout à nos désirs, parce que parfois, nous projetons nos désirs et nous projetons des problématiques qui sont complètement contemporaines à un texte du 7e siècle. Et là, on est absolument dans l'anachronisme. Et ensuite, un texte, c'est aussi un ensemble de traditions, puis vous allez peut-être citer un verset ou un hadith, un autre va venir vous citer un autre verset, un autre hadith. Donc, les textes sont des prétextes, les textes sont des miroirs, et donc du coup, on risque, à mon avis, de donner encore beaucoup plus d'importance aux textes dans la vie des gens, ce qui n'a pas eu historiquement, et je crois qu'il faut faire très attention. Le rapport au texte, pour moi, d'abord, il faut d'abord rétablir un rapport sain au texte, et notamment faire de l'histoire. Parce que je dis souvent à mes étudiants que faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et je crois qu'il faut être absolument cela. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le processus historique de la modernité en Occident a fait qu'à un moment, on est sorti de cette espèce d'hétéronomie, de loi qui vient de là-haut, de je ne sais où, et c'est l'autonomie du sujet, c'est-à-dire que l'être humain est souverain pour la question de la loi. Ouais, c'est deux systèmes de représentation qui sont complètement différents. Or, aujourd'hui, on a des conflits de loyauté entre une référence religieuse et d'autres références. Et je crois que c'est ça, à mon avis, il faut déjà débat. Je crois qu'il faut déjà essayer de bien poser le débat et ne pas simplement aller dans des visions qui seraient modernistes ou réformistes, parce que sans s'en rendre compte, on produit de la norme. Et produire de la norme, c'est par exemple sur la question du féminisme. Je m'excuse, mais le féminisme n'est pas dans le Coran.
vouloir projeter notre religion. Il est dans aucun texte religieux. Dans aucun texte religieux, vouloir, je dirais, demander de l'égalité telle que nous la pensons à partir du texte religieux, c'est lui demander des choses auxquelles il ne répond pas. Et j'ai eu des discussions pendant très très longtemps avec la rabbine Delphine Horviller, où elle se définissait comme féministe juive. Je dis, il y a, pour moi, il y a une espèce de paradoxe. Tu peux être féministe et juive, mais féministe juive à partir des textes religieux. La norme dans le texte religieux, c'est du patriarcat. La question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que nous faisons de cet héritage du patriarcat? C'est vrai la question. Et à mon avis, il faut être dans le rapport au texte, il faut être dans ce que Derrida appelle une fidélité infidèle. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut être fidèle. Donc, dans l'autonomie. Voilà. Et lui être infidèle. Et c'est en lui étant infidèle qu'on ouvre des espaces de création. Sinon, on va tomber dans une espèce de textolatrie et on s'en sortira jamais. Jeanne, peut-être une dernière question qui amènerait des réponses qui ne seraient pas trop longues. Si vous avez ça en magasin, ça serait bien pour terminer. Je vais essayer. Alors, peut-être qu'on va terminer parce que c'est une question qui est beaucoup revenue et comme on est sur les réseaux sociaux, on parle de silence, on parle de tabou. Vous avez une relation particulière avec les réseaux sociaux. Leïla, vous avez quitté les réseaux sociaux parce que pour vous, c'était trop violent. Est-ce que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer pour briser les silences et les tabous, Marin? Oui, même si moi je les ai quittés pour plein de raisons. En même temps, quand j'ai commencé à écrire, quand j'étais journaliste d'abord, puis quand j'ai commencé à écrire sur la sexualité, quand ensuite avec Sonia Terab on a créé le collectif des hors la loi, c'est vraiment tout s'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai assisté à la révolution du MeToo sur les réseaux sociaux. J'ai essayé d'y prendre ma part. Donc évidemment, ça permet de faire ressortir des témoignages qu'on n'aurait pas entendus autrement. Ça permet aussi de créer ces phénomènes de vagues. Parce que moi, ce que j'adore, par exemple, dans MeToo, il faut revenir simplement à ce terme. Me too, ça veut dire moi aussi. C'est le fait de simplement regarder quelqu'un et de lui dire, bah, tu sais, moi aussi, j'ai vécu la même chose que toi. Et au lieu d'être une juxtaposition de solitude, ce qui a été pendant longtemps le cas des femmes, on vivait ensemble, on était ensemble, mère, fille et tout. On traversait les mêmes expériences, on allait toutes vivre la même chose. Et pourtant, on se juxtaposait les unes aux autres sans être capable, même entre nous, de nous dire, voilà, je suis tombée enceinte hors du mariage. Oui, j'ai été violée. Oui, tout ça restait des hontes. Et le fait de regarder l'autre et de lui dire moi aussi, d'une part, il y avait cet aspect de soulagement, mais il y avait aussi d'un coup, on redevenait digne, puisqu'on n'était pas tout seul. Et d'un coup, on comprenait un phénomène qui devenait un phénomène structurel, un phénomène fondateur et qui dépassait toutes les frontières. Donc, oui, les réseaux sociaux, en ça, sont très importants. Après, moi, à titre individuel, il y a un moment aussi où j'ai le sentiment que… Vous parliez tout à l'heure d'élite, c'est intéressant. La question du rapport aux élites aujourd'hui, je trouve qu'il est devenu complètement vicié. C'est important pour une société d'avoir des élites. Une société qui a des élites qui l'attirent vers le haut, qui sont des élites, qui sont pas des élites fermées, qui vivent entre elles, qui ont envie de garder pour elles leurs privilèges, mais des élites comme les élites des Lumières, des gens qui au contraire sont là pour soulever et pour tirer les autres vers le haut, c'est très important. Moi, par exemple, ce que je reproche aujourd'hui dans un pays comme le Maroc, je suis très très en colère contre les élites au Maroc, dont j'ai le sentiment que elles vivent leur vie sexuelle, elles vivent leur liberté, elles vivent quand elles le veulent leur homosexualité parce que ils ont les moyens matériels de pouvoir vivre ça et ils sont d'abord dans une assez grande indifférence du peuple et ensuite pire que de l'indifférence dans cette idée que c'est pas fait pour eux. La liberté, c'est pas pour tout le monde. Eux, ils peuvent en jouir et au fond, c'est pas la peine de vouloir partager avec la masse qui n'y comprend rien et qui ne sait pas y faire. Eh ben, le gros problème que j'ai, moi, sur les réseaux sociaux, c'est que je considère que toutes les paroles ne se valent pas. Que quand on parle justement de religion, quand on parle de vaccin, je suis désolée, mais Trucmuche 362, qui n'est capable que de dire des insultes et je sais pas quoi, moi, son avis sur la politique vaccinale, honnêtement, je m'en fous. Jojo 300 000, son truc sur l'exégèse du Coran, je m'en fous. Et je trouve ça même dangereux qu'au bout d'un moment, ce soit Trucmuche
qui prennent tout le pouvoir et qui, par les insultes, fassent beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit et qu'on n'arrive plus à entendre des paroles qui sont des paroles sensées. Et voilà, la méchanceté, la haine constante, l'insulte. Pour quelqu'un comme moi, par exemple, je me suis retrouvée au carrefour de toutes les insultes. Alors moi, j'ai droit à Crouillette, Bico, Ratonne, la salle arabe qui s'est acheté une maison en Normandie. J'ai le droit de la part des Marocains, la salle vendue, l'occidentale, la colonialiste, la Bounty, les insultes du fait que je suis une femme, les insultes. C'est pas possible. Au bout d'un moment, vous pouvez même plus respirer, vous pouvez plus parler, vous pouvez plus expliquer. Donc, cette violence, faut quand même qu'on l'interroge. Pourquoi on l'accepte? Pourquoi ça s'est installé à ce point? Est-ce que dans la rue, si je marche, je me ferais entourer par tous ces gens qui viendraient me dire ces insultes? Pourquoi on accepte cette lâcheté? Et je suis triste que personne ne se révolte contre ça. Je trouve ça minable. Zeyna, peut-être? Alors, je partage le même avis que Layla, et d'ailleurs, tu as tout mon soutien face à ces insultes, parce que je connais aussi ce sentiment d'être insultée. Et on m'a, ce qui m'a fait rire pour moi, c'est qu'on m'a toujours accusée de l'artiste bourgeoise, sachant que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vécu n'importe quelle forme de bourgeoisie. Moi, une Marocaine qui a grandi en toute pauvreté dans la, et là, je pense, ça s'est amélioré ma vie après devenir ingénieur, après devenir tout simplement une femme indépendante. Et du coup, il y a une méchanceté au niveau des réseaux sociaux, mais il faut pas oublier qu'un artiste militant au 21e siècle, il est différent qu'un artiste militant au 20e siècle. Là, on peut créer une page sur un monde virtuel et on peut partager notre travail avec toute la planète où les gens peuvent partager. Mais bien sûr, il y a l'inconvénient, c'est que la parole n'est pas donnée que des cas des personnes qui sont bonnes, mais aussi aux méchants, aux terroristes même, personnes qui insultent, qui menacent à mort même. Et donc, c'est ça, les taxes à payer dans un... Parce que les réseaux sociaux, pour moi, je les ai choisis parce que j'ai trouvé la liberté. On peut dessiner ce qu'on veut, on peut publier ça, on peut écrire. Mais sachant que aujourd'hui, on trouve même que les applications utilisent une forme de censure. Par exemple, plusieurs artistes partagent un corps nu dessiné. Enfin, on parle même pas de la photographie, ça c'est censuré à 100%. Mais quand c'est dans un contexte pornographique, on trouve qu'il y a pas de la censure. Donc, il y a vraiment des points à corriger. C'est les réseaux sociaux, oui, c'est un milieu, c'est un espace qui est libre, mais quand on ne peut plus le gérer, on le quitte, comme Layla a fait. Rachid, Je dirais que les réseaux sociaux, c'est un moyen, et Dieu sait qu'ils ont été très importants dans les révolutions arabes. Je pense que les réseaux sociaux permettent la libération de la parole, mais ils ne permettent pas encore la conversation. Parce que la conversation, ça suppose une éthique de la discussion, ça suppose le vis-à-vis, parce que sans visage, c'est très difficile de ne pas discuter. Et puis, il y a quand même des règles de la discussion et de la conversation, ce qui est de moins en moins possible sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une espèce de libération d'un certain type de parole qui fait qu'on polarise de plus en plus la société. Moi, je le vois en France, il y a une espèce de polarisation où on n'est plus du tout capable d'entendre ni la complexité, ni la nuance. Et j'ajouterais juste que moi, par exemple, moi, je passe ma vie à écrire. Et quand on écrit, on se retient beaucoup. On passe pas son temps à écrire tout et n'importe quoi. Pour écrire, il faut apprendre à se retenir. Qu'est-ce que je vais dire finalement parmi toutes les idées qui me traversent la tête? Qu'est-ce que je vais finir par poser sur le papier? Alors que qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? C'est la culture de la pulsion. Tiens, d'un coup, j'ai envie de dire ça. Regardez Trump. Trump, c'est vraiment pour moi l'incarnation de ça. Cette idée, dès que j'ai une idée qui me traverse la tête, je l'écris, quelles qu'en soient les conséquences, quelle qu'en soit la façon dont ça va être reçu. Alors que moi, je crois que justement, la conversation, la vie avec les autres, c'est la rétention. Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça doit s'empêcher. C'est comme ça qu'on peut vivre ensemble. C'est aussi en étant poli, en respectant un certain nombre de codes. Vous voyez, des vieilles valeurs comme ça, comme la politesse, comme les égards. Moi, je trouve que c'est des choses qui doivent être vraiment réhabilitées. Mais même pour nous, en tant que femmes, dans les combats justement féministes et tout, il faut réhabiliter ces usages merveilleux dans le rapport à l'autre qui sont
je te considère, je te dis bonjour, je te regarde, je t'écoute parler, je ne te coupe pas la parole. Ce sont des choses toutes simples, mais je trouve qu'ils malheureusement ont tendance à être perdues et même à être regardées comme conservatrices ou bourgeoises, alors qu'à mon sens, c'est quelque chose qui s'applique à chaque être humain, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. On va continuer dans ce que vous venez de dire en me disant merci. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont participé à cette rencontre. Merci à Jeanne qui a fait l'intermédiaire entre Rabat et ici. Merci évidemment à nos trois invités. Je voudrais signaler que à venir au mois de mars, parmi les événements de l'Alliance française de Paris, on recevra le 15 mars Agnès B. Il s'agira d'autres propos, j'imagine, qu'il y aura du 13 au 21 mars la semaine de la francophonie avec un hommage à la littérature francophone et des débats. Tout cela reste encore à définir et vous aurez plus d'informations prochainement sur le site de l'Alliance française. Enfin, cette rencontre n'aurait pas été possible sans Mohamed que j'aperçois et qui était à la technique. Et puis, je voudrais citer quatre autres prénoms, Cerise, Angela, Delphine et Frédéric. Ils ont été dans l'ombre, mais très actifs pour que cette rencontre se fasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Bonne lecture à tous et bonne fin de soirée. Et embrassez le Maroc, il me manque. Au revoir. Merci. Merci.